Hey hey, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Cuphead. On s'était quitté la dernière fois sur la deuxième partie, la deuxième île pardon, d'Inkwell, avec Bepi le clown, Jimmy le grand et la baronesse Von Bonbon et le mausolée, c'est ça, je crois que c'était ça. Et j'ai refait Bepi le clown juste avant de lancer cette vidéo, j'enchaîne tout ça et à plus bébé. Direct. Non, pas direct en fait, je me suis foiré une première fois puis après j'ai fait le A+. Je suis mort lamentablement contre Bepi le clown en off, c'était triste mais c'est comme ça. Donc toi tu es Kamek, d'accord? C'est ça, tu es Kamek, très bien. Et ça fait ouf ouf. C'est un trampoline sur pattes. C'est rigolo. Oh, mais monsieur le trampoline sur pattes, tu m'as envoyé sur ce... Oh putain. Sur ce ballon, c'était pas gentil ça. La petite pièce, c'est pour moi, merci. Ok. Oh la vache. Comment je l'ai paré comme un parbat? Non mais les bleus, tu peux pas les parer, merde, j'ai déjà plus qu'un PV, on est qu'au début du niveau. Attends, mais c'est complètement Mario ce monde. Écoute la musique. Non, je suis le seul à l'entendre. Oula. Ok. Là, je suppose qu'il y a... Si un truc tape dedans, ça tombe. Yes. Oups. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok, vous êtes juste des obstacles. C'est quoi qui tire, du coup? Ah bah, c'est vous. Bande de coquinous. Ah. Ok. Là, attends, j'ai fait un minuscule saut, j'avais jamais réussi à faire un saut aussi court dans ce jeu. Meurs. J'espère que c'était le boss. C'était complètement pas le boss, c'est ça? J'ai gâché mon super. C'est sûr, ça va être le magicien le boss, non? Qu'est-ce que... Un bretzel. D'accord. Ok. Il y a de la moutarde et du ketchup qui m'arrive dessus. Ah! Et une sauce verte, donc j'ignore la composition qui m'a tellement perturbé que j'ai sauté dans le trou. J'étais presque au bout, c'est con. Ok. Bon, on va refaire la même sans se faire toucher deux fois dès le début cette fois. Quoique, ces ballons sont assez choux à esquiver parce qu'ils prennent... Mais pourquoi ma parade a foiré? Pourquoi? Je demande une explication. Ouf, on aurait dit... On aurait dit une parade sur Street 3, là. Ok. Ok, tout va bien. Ah! Ah, ça va tomber, chérie! Je fais pas assez de parade pour avoir le rang. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà réussi le tableau et... Oh. Ah, les ballons, on peut les détruire et ils font des petites babales quand ils sont détruits. D'accord. Ok. Est-ce que je refais le super sur toi? Non. Quoique, tu prends un peu de temps quand même. Non, ça va. Ok, allez, go. À nous la sauce moutarde. Donc ça, je vais le passer comme ça, hein, tranquille. Quand même moins pénible. Bleu bleu, quel con. Attention au ketchup. Ah, la sauce dégueu. Ah. Ah. Tout va mal. J'ai pas vu ce qu'il y avait écrit en fond. Ah, un hot dog. Meurs, hot dog. Tu es trop gras. Et plein de perturbateurs endocriniens. Et ben voilà. En temps, je dois pas être très bon. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Un B moins, du coup, bah tant pis. Eh ben tant pis, je le referai une autre fois. Cuphead! Tiens, j'ai ouvert le raccourci, madame, t'es contente maintenant? Non, t'es pas contente, d'accord. Eh ben pendant ce temps, moi je vais voir Wally Warbles. Coucou! Oh putain. Ok. J'avais un doute, mais si, mais... Oh, merde.
j'aurais dû penser que ça pouvait faire ça. J'avais un doute, mais si, si, mais... Mes tirs, quand je suis dans cette forme-là... Ah, commence bien. Ont une portée infinie, c'est quand je suis en petit que ça passe à une portée beaucoup plus limitée. Do ! Pourquoi tu te mets sur l'œuf ? Pourquoi tu fais ça ? J'ai pas du tout vu combien il a fait de face du coup, mais c'est pas grave. On va faire mieux, puis c'est tout. Coucou ! D'ailleurs, c'est con ça. Pourquoi est-ce que je garde ma téléportation invisible quand je suis en avion ? Je devrais mettre autre chose. Mais je sais pas si les autres trucs marchent. Ah non, j'ai tué le truc apparaît, c'est con. Non ! Arrête de tuer les petits oiseaux ! Chouchou ? Qu'est-ce que t'as, Chouchou ? Pff. Ah ! Si tu savais à quel point c'est facile pour moi d'esquiver ça. Oh bah t'es tout fatigué ! J'adore le bruit qu'il fait par contre. Ça me fait penser à... Ah, comment il s'appelait ? For the Birds, ce court-métrage de Pixar là. C'était avant Nemo, je crois. Merde ! Je voulais me transformer en bombe et puis je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Bon voilà. Adieu le... Oh mon dieu, c'est Cortex, le génie. Ah ! Là, mon dieu, mais il a un pistolet laser en plus ! Il est fou cet oiseau ! Ah, sale piaf ! Je devrais te les renvoyer ceux-là, j'ai compris. Vas-y, tire. Mais quand t'es loin, s'il te plaît, pas à bout portant. Bon, si tu veux à bout portant... Si je te mets de la bombe, t'aimes ça ou pas ? T'aimes ça les petites bombes ? Ta ! Je crois que je l'ai renvoyé, mais je me suis quand même fait toucher. Bon, tant pis. D'abord à prendre la bombe, là. Ah, merde ! Eh, c'est toujours comme ça. Hein. Ils balancent une attaque que tu connais pas, tu peux pas l'anticiper. Hein. Donc eux, ils tirent vers le haut. Ok, mais après ça s'ouvre en haut de l'écran, c'était ça le truc ? Parce que l'autre après, elle est partie en diagonale. J'ai pas été assez attentif, merde. Bon, c'est pas grave. Si je me refais pas toucher au début, ça devrait le faire. Voilà. Coucou ! Oh non ! Oh non ! Je vais te toucher ! C'est très triste. Tu savais ce qu'on va faire à ton enfant juste derrière, mec ? Ou meuf ? Tu serais pas content. Ouais bah coucou, 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 prends ça, attends. Ah. Merde, du coup j'ai pété le petit oiseau bleu. J'espère que j'ai fait des dégâts au boss quand même. Donc ça y est, j'ai compris la bombe, comment elle fonctionne. En fait, t'es invincible. Quand t'es en bombe, et le premier truc qui te touche, ça te fait péter. Et ça fait mal. J'ai l'impression que la zone d'effet est assez énorme, meuf. Je sais pas si les bombes font plus de dégâts ou pas. Ah. Attends, te rue pas sur ce truc apparaît. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas retourner à la dernière phase avec un seul PV et tu vas crever là en tournant. Et encore, si t'y arrives, c'est pas dit. T'en as une bombe ! Ah, cassez-vous. Ah, j'ai un petit temps d'invincibilité après avoir fait la bombe, ça c'est bon à savoir. J'ai l'impression que c'était pas le cas avec les autres mouvements super du jeu. Je suis désolé. Donc là, le petit qui se fout de notre gueule, qui dit « Mon papa, c'est les muscles et moi, je suis le cerveau. » Ça, on avait compris que t'étais le cerveau. Hein. Ce qui voudrait dire que ton papa, c'est l'abruti. Si toi, t'es Cortex, le génie. Bim ! Arrêtez de jouer avec des clous, les petits piafs, c'est dangereux. Ah, mais non, mais non, mais non, mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi ? Badaboum. Hop, je me sers des petits oiseaux pour charger ma jauge de super. Non ! J'ai tué le petit oiseau. Et là, je fais n'importe quoi. Oh là là, c'est de pire en pire. Ça y est, c'est de pire en pire. Je suis tout en bas de ma courbe de progression, là. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut faire que monter par la suite, mais là, ouais, là, c'est de pire en pire. Ça ne va pas du tout, reconcentre-toi, monsieur. Allez.
Allez. Baston, bordel. Vexant de se faire avoir par... par Cortex, quoi. Non, mon petit oiseau rose. Oh non, mon petit oiseau. Je pourrais dire ça aussi. Non, mais non. Je suis nul. Oh mon dieu, je suis nul. Je... Voilà. Hein, on va arrêter les bêtises. On est reparti. On oublie tout ça. Tabula rasa. Et c'est parti. Ça, je peux te dire que quand je me suis amusé à essayer de faire le rang A sur le Tri-Top Trouble, à recommencer en boucle pour avoir le bon assortiment de coccinelle rose pour avoir le super chargé pour le boss, je l'ai bien connu, ce petit bouton retry, hein. T'en fais pas. J'ai tué tous les petits oiseaux roses, c'est con. Il faut pas tuer les petits oiseaux roses, enfin. Sinon, t'as pas de bombe. Voilà. Attends, super chargé. Attends la fin de l'attaque et après t'y vas. Ah, mais pourquoi tu fonces dans la plume? T'as dit qu'elle était super facile, celle-là. Ah, pas du tout, hein. Ah, pas du tout, aujourd'hui. On va mettre ça sur le compte du passage du niveau run and gun au niveau avion, qui me perturbe, mais bon. Pas d'excuse, hein. Je suis juste très mauvais sur ce coucou. Ah non, j'ai tué le petit oiseau encore. Je sais pas si les bombes font plus mal. Ta. Quand je suis placé de manière à devoir les utiliser, pourquoi pas les utiliser? Vas-y, tire! Voilà. Pan. Ce qui est pratique avec les bombes, quand même, c'est que ça fait des dégâts de zone et que du coup, dans ces moments où les œufs font barrière, eh ben, je peux quand même le taper avec ma bombe. Ok! Ah bah t'es pas content, bah va pleurer chez ta mère! Ok. Ah, c'est ça. Tire vers le haut et ça s'ouvre. Qu'est-ce que... J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris à ce qu'il a fait là. Il s'est transformé en... en ordure. La même que la dernière fois. Oh la vache, quel con. Oh non, j'y étais presque. Oh la vache. J'ai pas compris l'attaque d'avant. Il s'est transformé en poubelle et il a craché des arêtes, des bottes, des... N'importe quoi. Bon, n'empêche que tout à l'heure, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit, bah oui, tu connais pas l'attaque, tu te fais toucher, nanana. Maintenant, tu connais toutes les attaques, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets au-dessus du petit piaf qui peut te cracher dessus à la verticale. T'es vraiment débile, hein. Je suis désolé pour ce piètre niveau de gameplay que je vous propose là. Tu sais quoi? Cuphead! Mais voilà. Non mais... C'est vraiment facile comme attaque, hein. J'ai tellement la honte de m'être fait toucher là-dessus. Perturbe quand ma parade ne touche pas. Je devais être juste un pixel trop bas. Je sais pas si on peut parler de pixels sur ce jeu. Ok. Tu sais quoi, il y a Cortex qui va se prendre une méga bombe dans la gueule, il aura pas volé, hein. Bon. Dans les dents. Eh oui, parce que t'as des dents. Bizarrement, les oiseaux dans ce jeu, ils ont des dents. Je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai raté toutes mes bombes. Quand il est en haut, ça sert à rien de passer à la bombe. Non, mais là, je l'ai paré, ça m'a quand même touché. Vous l'avez entendu, le petit bruit? C'est de la triche. Je dépose réclamation. Je demande un arbitrage vidéo. Bon, vous allez tous me dire dans les commentaires que, bah, si tu t'es fait toucher, hein. Vous avez raison. Ok, et donc pour la dernière forme, c'est à la bombe. Et cette fois, ça marche, hein. Qui arrive, bordel? Damir fait ça. Ah, j'ai voulu à tout prix aller parer la botte, c'était con, je vais mourir encore, ça va être vexant. Ok. Ah, j'ai paré le truc, mais il m'a quand même mis, c'était bizarre. Allez, meurs. Oui! Oh la vache! Un petit peu dur, ce boss. C'est quand même dommage que je me foire sur les niveaux de shmup. Ah, j'ai pas le temps. Oh là là, bah écoute, je m'entraînerai sur lui en off, hein. Ce sera une bonne occasion de s'entraîner avec l'avion. Ah, j'ai quand même un moins. Bon bah autant pour moi, je m'entraînerai pas du coup. Alors c'est bizarre parce que tu vois là, les notes que j'ai eues, c'est globalement les mêmes que j'ai eues sur le niveau run and gun. Mais là j'ai A- et l'autre c'est B-.
pourquoi ? Je sais pas. Je ne sais pas. Écoute, c'est comme ça. Par où on doit aller après ? Par là-bas, par la petite tente là-bas. Ok. Alors, j'ai des sous. Est-ce que j'irai pas changer un peu ? Allez, essayons de changer un peu, de pas toujours avoir la ruée invisible. Et on va prendre ça, du coup. Bim. Ah, qu'est-ce que t'as d'autre ? Oh, sûrement pas. Alors ça, c'est le genre de truc que je déteste. T'as plus de PV, mais tu fais moins de dégâts. Alors après, ce serait assez intéressant d'équiper ça juste pour le premier passage sur un boss, pour apprendre à repérer ses attaques, du coup. Pourquoi pas, hein. Le combat sera plus long, mais du coup, quelque part, c'est ce que tu veux pour apprendre à gérer les attaques, et puis quand tu veux réussir, bah, tu prends autre chose. Oh mon dieu. Quoi ? Quoi ? What ? Mais là, je suis censé faire comment ? Bah ouais. Attends, il y a un truc qui m'échappe complet. Essaye peut-être de leur tirer dessus, hein. Ça peut peut-être marcher. Bah oui. Mais comment je fais, mon dieu, un ennemi me fonce dessus. Comment pourrais-je faire pour le faire disparaître? Bah tue-le, mec. Couillon. Bon, ça commence bien, ce niveau. Tiens. Attention, la carte n'est pas à portée. J'ai tapé dedans et ça m'a pas fait tomber. Je dépose une réclamation, s'il vous plaît. J'ai tapé dans la carte et ça m'a pas mis au plafond, d'abord. Ah oui, parce que d'abord, t'as un espèce de petit... T'es encore soumis à la gravité avant que ça change. Ok. Bon. Voilà. Du coup, là, ça va mieux. Ah, mince. J'ai raté une parade sur un canard. Est-ce qu'on considère que les bouches sont roses ou rouges ? C'est une vraie question. Ah ! Ça passe. Ok. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah oui, c'est un canon. Ok. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Mon dieu. Ce niveau va me rendre fou, je pense. C'est normal, c'est la maison qui rend fou. Casse-toi ! Pas fait énorme de parades, si. Je pense pas que les parades sur les cartes comptent, hein. Ok. Ah. J'ai appuyé sur le bouton, mais a priori trop tard. C'est pas grave. Donc au début, on reste en bas, voilà. Yes. Tututut. Je sais pas si c'est très bien, cette attaque avec la hache. Franchement, je... Pas trop. Onk, 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 onk. Oh mon dieu. Ah, j'ai été touché, c'est ridicule. Ah là là. Ah non. J'ai paré la voiture. Bah, elle est pas rose. Il y a des trucs qui se passent. Je comprends pas. Ok, par rapport à la couleur d'habitude qui est orange, elle était rose, d'accord. Bon, si tu veux, hein. Ça me va. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi tu tires tout le temps, là t'es en train de rien tuer, je vois pas d'intérêt dans le jeu de ne pas tirer en permanence, sauf quand il y a des ennemis roses que tu ne veux pas tuer tout de suite. Hein. Raté ! Ça c'était beau ça. J'essaye de parer l'ennemi, le même que tout à l'heure, et au lieu de ça, je pars la carte, et donc je tombe lamentablement dans le trou qui est en dessous. C'est con, hein. Ah, j'ai raté ma parade. Bon, et eh ben écoute, c'est pas grave. Ouais, donc ça, je sais pas trop ce que ça fait d'avoir une hache quand je fais la parade, là, parce que ça fait quoi? Ça fait des dégâts au truc que je pars, mais le truc... le truc que je pars, bah en général, c'est une boulette, donc je n'ai pas envie de faire des dégâts. Ouais, je sais pas trop, là, à quoi ça peut servir, cette attaque de hache. Faut être à côté d'un ennemi au moment où tu fais une parade d'une boulette. Oh, ça a pas l'air fantastique. En tout cas, pour l'instant, j'en vois pas l'utilité sur les ennemis qu'on a rencontrés. Peut-être sur certaines situations, ça peut être avantageux, mais là, tout de suite, je vois pas. Bon,
Alors du coup, je ne parerai pas ces trucs. Si, je les ai parés, ça s'est bien passé. Tu es un tuba. Ah, bois, mais bois toi-même. Merde. C'est ridicule, fallait faire une rouée au ras du sol, ça passait, j'étais pas obligé de le tuer. Ok, putain, j'ai du mal, hein, sur ce niveau. J'ai énormément de mal sur ce niveau. D'ailleurs, je suis en train de me dire, sur les petits ennemis, quand tu les pars aussi, ça les détruit. Hein. Donc, je vois vraiment pas l'intérêt de cette hache. À moins de parer un truc et de rebondir et de faire un dégât de contact à un ennemi, mais en général, bah, toi aussi, tu subis des dégâts de contact, donc... comprends pas. Comprends pas l'intérêt du truc. Je crois que je me ferai systématiquement toucher sur ce mur. Hein. Ce sera une constante. Deux fois, ça commence à être un peu vexant. Bon, ok. Ok. Ok, c'est l'épisode où la première fois se passe pas si mal et où toutes les fois suivantes jusqu'à ce que j'y arrive se passe comme une vulgaire crotte. C'est vraiment vexant. Et c'est comme ça. On l'accepte, on se sort les doigts et on y arrive, s'il te plaît. J'essaie de garder... À chaque fois, tu le vois pas, celui venu d'en bas, mais t'es vraiment trop bête. Tu ne le vois pas, quoi. Et j'ai toujours pas essayé de les parer, d'ailleurs, ces bouches. T'aurais pu essayer, quitte à te les prendre. Dans la tête. Ok. M'en fous! J'esquive tout! Oups! Non, c'est bon. Vas-y, tire. Merci. Ok, et là, on attend qu'ils arrivent. C'est très perturbant de jouer avec la tête en bas. Yes! Allez, viens. Viens. Ah! Comment on est censé passer ça? Meurs! Merci. Plus qu'un PV. Hein. Ah ! Mais quel con ! Ça me perturbe d'avoir la tête en bas. Je n'arrive plus à rien, c'est ridicule. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, tu esquives cette fois, s'il te plaît. C'est la 5 ou 6ème fois que tu fais ce mini-boss. Tu vas peut-être y arriver à un moment. À le faire sans te faire toucher. C'est quand même moins vexant. Pouette, pouette toi-même. Mais pouette toi-même, je te dis. Non mais... Alors peut-être que je devrais juste reprendre ma ruée invisible. Ça y est, je commence à en avoir marre de ce niveau et du coup je veux aller très très vite et j'en suis pas capable. D'où il sort cet ennemi? Il était pas là les autres fois! Je vais perdre du temps là. Ouais, ok. Ok, on fou, je passe. Ah, je me fais quand même toucher. Hein. Je m'entends très bien aussi. Bordel, on n'avance pas, ça fait une demi-heure que je suis bloqué là-dessus, c'est pas possible. Ah là là. Mais j'arrive pas à comprendre comment esquiver les tubas en fait. Qui sont peut-être pas des tubas d'ailleurs, qui sont peut-être des saxophones. Mais bon, hein, c'est pas grave. C'est peut-être des tubas, tu sais des tubas, je pense. Pouette, pouette toi-même. Je deviens fou. Je deviens complètement fou. Allez. Et dire qu'en anglais ils appellent ça une fun house, mais qu'est-ce que c'est fun. Je plaisante, ce niveau est franchement vachement bien designé, mais je commence à devenir complètement de soin dessus. Ah. Ah. Attends, d'habitude, je suis pas comme ça à cet endroit-là. Ah, voilà. Ah, ça va mieux. Non, j'ai tué mon truc à parer.
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On descend. Voilà. Ça passe. Tu te mets au plafond. Et lui, il fait bah, espèce de lapin crétin. C'est passé. C'est passé. Ok. Wow! Tiens, mais prends ça, mais vas-y, que je te décharge tout dans la face. Ah, ça va mieux. Ah, et ben c'était la fin. Oh, wow! Wow! Désolé pour les fails en boucle sur ce niveau. Ah bah je peux te dire que là c'est un A+, quoi. Faut pas déconner, hein. Tu vois? Voilà. Bordel. Non mais... Fallait pas me chercher. Bien! Mais il nous reste un truc à faire dans cet épisode. Cet épisode va être un peu long du coup. Il nous reste ça à faire. Alors toi tu nous veux quoi? Ouais. Eh ben merci. Il me donne une pièce parce que j'ai réussi à faire 4 parades d'affilée. Je sais pas ce que j'ai paré 4 fois d'affilée, mais merci. Grim Matchstick. Ok. Donc Grim l'allumette. Ouais. Ça va être le dragon, ça. Oh ouais. Oh, il est cool. Alors, oula, t'as les yeux zinzin. Ah, je t'ai paré. Ah, là, j'ai raté. Ah, la hache, je sais vraiment pas si ça sert à quelque chose. Hein. Je peux pas... Oui, je peux. Ok, tiens, viens, vas-y, viens. Prends ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas cracher du feu. Tu craches des... Je sais pas ce que t'as bouffé, mec, mais... Faut peut-être revoir ton hygiène de vie, merde. Ok. Tu nous refais la même. En haut. Ah, tu fais en haut et en bas. Ok, c'est pas grave. Je peux passer au-dessus, de toute façon. Ouh là là, je te mets tout dans la tête. T'aimes pas ça? Tiens. Tu vas tout prendre direct, là. Voilà. Avec tes yeux zinzin. Merde, j'ai pas pu te parler. Je fais combien de parades pour l'instant? 2. Ah, il est parti. Ouh, il est passé très très vite derrière. Où est-ce qu'il est? Il est là. Qu'est-ce que... Chouchou. Go. Ok. Ah! Oh la vache. Ok. Je sais pas si le fait qu'il fasse chouchou est en lien avec les petits mecs qui sautent. Faut que je me baisse pour le toucher. Oh ouais. Ok. Ok, c'est fait. Ok. Oh là là. Putain, il m'a fait peur. Qu'est-ce que... Tu lances des petites bubules. À mon avis, si je tire sur les petites bubules, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai pas vu ce qui annonçait cette attaque. Non, je l'ai pas vu. Ok. Bien. Ah, apparemment, le dragon est bègue. 1, 2, 3, tu ferais mieux de fuir. Ok. Bien. Et bah c'est reparti. On va essayer de pas se faire toucher sur les premières phases, mais celle avec l'armée des petites flammes, là, ça me paraît compliqué. Raté. Une parade pour l'instant. On n'a pas oublié qu'il faut faire 3 parades pour avoir le rang A, et ça reste un objectif. Même si déjà, on réussira à pas crever, ce serait bien. Yes. Et le 2. Ah. Ok, il y a sa queue qui vient d'en bas et elle fait touboulouboulou avant d'apparaître. Bon, ça va, on la voit quand même bien venir. Pas poser de problème la première fois, je vois pas pourquoi ça imposerait maintenant. J'espère que je lui ai fait tous les dégâts du super là, qu'il est pas parti avant. Je crois que je vais gérer ça comme j'ai fait la première fois. J'ai une bonne intuition, je pense, à gérer au petit truc. Si j'essaye d'approcher de lui, là, je vais pas voir les... Quoique... Oh, quoique, hein. Un peu dangereux. Yo. Oh bah voilà, parfait. Allez, vas-y, appelle tes potes. Qui ont l'air complètement zinzin. Ah mais oui, c'est ça, c'est ces trucs quand tu leur tires dessus, ça éclate. C'est ça que j'ai pas vu venir tout à l'heure. Comme j'étais de dessus, quel con. Oup là. Ouais, c'est bon, t'as fini là. Ok. Hop. J'ai pas très envie de rester très proche de toi. Hein. Merde. Ah, faut que tu meurs maintenant, s'il te plaît.
Bon, si t'as que ça comme attaque à la fin, je vais finir par y arriver, mais... J'aimerais bien y arriver maintenant. Merde, j'étais en train de sauter quand il m'a cueilli, putain. Oh, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Il est très marrant. Et c'est complètement Mega Man 2, hein, cette première phase. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais... Premier stage du docteur Willy. Wily, je suppose qu'on dirait en anglais. Moi, j'ai toujours dit Willy quand j'étais petit, du coup. Da. Vers le bas, c'est facile. Ah, tiboulé-boulé. Est-ce que je vais plutôt faire le super sur la dernière phase? Ah, oh, quoique... Da. J'ai oublié que tu pouvais faire les deux en même temps. Ok, allez, vas-y, casse-toi. Casse-toi et que je te revois plus. La deuxième, en utilisant ça, finalement, ça a été assez rapide. Si j'arrive à pas me faire toucher, je pense que ça pourrait être un peu chaud. Ah. Ils sont très mignons, tes petits copains, les petites flamèches, là, les petits feux follets, mais... Ouais, tu meurs maintenant. Allez. Waouh. C'est beaucoup plus long que la dernière fois. Parce que je n'ai pas fait le super. Encore. Tous les coups. Bon, on va pas être bon en termes de temps, mais... Oh, je me fais pas toucher pour l'instant, alors. Voilà. Et je vais te superiser la fin. Allez, feu. Bim. Oh, je vais tomber dans le trou. Non, c'est bon. Attends, coup de bol. Hein. C'est un truc, j'y pense pas assez, c'est que... Quand tu fais ton super, après, bah tu tombes. Pareil pour les EX. Oh, oh. Ah. Ok. Bah, écoute, je suis bien là. Et là, je suis bien. Ouais. Parfait. Bien loin vers la droite. Essaye de pas péter les trucs, forcément, c'est plus compliqué quand tu dois les gérer. Attention. Je le sens bien. Allez, meurs. Ah, il veut pas. Pourquoi tu veux pas mourir? S'il te plaît. Yes. Wouh. Bien. Ah ouais, en termes de temps, on n'est pas bon. Hein. Mais avec tout le reste parfait... Ah, j'ai qu'une seule étoile de skill. Je comprends pas le système de score de ce jeu. Une seule étoile de skill et le temps à 2,07. Donc pas le bonus de temps non plus et j'ai un A+. Bon bah ok, ça me va. Très bien. Et bah voilà. Cuphead. Bien. On va aller reparler... Non c'était... Pas toi, c'était la petite là-bas. Ouais, la petite madame Donut. Enfin, je pense c'est un Donut. Et du coup... Bah oui, mais je les ai ouverts les raccourcis. Non, ça te plaît pas. Ça lui plaît pas. Est-ce qu'il y a un autre truc avec des raccourcis? Ah, je pensais que c'était en gagnant les niveaux, en faisant apparaître les ponts, que j'allais lui faire apparaître son raccourci à l'autre. Non, elle est pas contente. Ça lui va pas. Avec les arcs-en-ciel et tout, là, ça te plaît pas comme raccourci, chérie? Non. Et du coup, ouais, non, j'ai toujours pas trouvé votre pote à vous non plus. Bon, t'es pas contente. Ok. Eh ben, je sais pas. Eh ben, écoute, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai à faire pour la prochaine fois? Il faut que je refasse la fête foraine. Ok. Pour faire tous les rangs A sur ce monde. Et au premier monde, bah, le Tree Top Trouble, pardon, bah, je sais pas. Faut que peut-être que je vais envoyer un petit message au développeur, savoir s'il y a un bug avec ce niveau particulièrement. Parce que c'est vraiment le seul hein, qui pose ce souci.
où vraiment j'ai eu tous les bonus et ça m'a pas mis le rang A. Sauf, j'avais pas le bonus de temps, quoi, mais 1-0-3, franchement, j'ai bombardé. Quand tu vois le bonus de temps, les autres, tu les fais tranquille, tu l'as, et celui-là, mais vraiment, mais c'était du speedrun de ouf, et je l'ai pas. Ou alors, il y a un truc que je n'ai pas pu... que j'ai pas vu, je sais pas, un raccourci, je sais pas. Ah, il y a plus de niveaux au dernier monde. 2, 4, 6, 8, 9. Alors que jusqu'à maintenant, c'était... 8 plus le mausolée, du coup, ouais, il y en aura 10 et il y a un monde final aussi. Bon, bah, il y aura des épisodes un peu plus loin la dernière fois. Que celui-ci doit être un peu long aussi, vu le nombre d'échecs sur la maison qui rend fou là. Bonjour, monsieur. Ah, on dirait que je t'ai sous-estimé, Cupface. Tu leur as bien mis une raclée à ces endettés. Allez, va à l'île d'après. Y'a plein de fun qui t'attend. Ok. Les petits mugs ont quand même du talent. Ça, je peux le dire. Ils transforment nos endettés en chair à pâté. Tu vois, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial avec ces petits gars. Eh bah... n'en sois pas si sûr que ça pour l'instant, boss. Je pense qu'il y a quelque chose d'étrange avec ces deux-là. Oula, je ne sais pas comment traduire cette expression. Craque pas ton slip, Dice. Craque pas ton slip, c'est pas mal. Si c'est... Si Freluquet essaye quelque chose, je serai là pour les attendre. Plutôt, je les attendrai au tournant, ce serait peut-être mieux. Ok. Et bah, on est en ville maintenant. Et bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toi de suivre ce let's play de Rock Justice joue à Cuphead. J'espère que les petits fails successifs ne vous blasent pas trop. Je me doute que c'est pas le plus intéressant à regarder néanmoins. Ouais, s'il y a vraiment énormément de fails, un peu comme sur Thunder, peut-être que je ferai des petites coupes-coupes, des petits montages, hein, si je rate vraiment en boucle pendant 10 minutes sur un même niveau et que je vous mettrai que la fois où j'y arrive. Mais bon, c'est avec l'échec qu'on apprend, c'est avec l'échec qu'on s'améliore, et pour l'instant, ça se passe pas si mal. Allez, je vous dis à mercredi prochain, et d'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao.